Hello les garçons! Yo tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Ça va super! Super! Vous allez bien aussi? Oui, on espère que tout le monde va bien. Vous êtes de nouveau très très loin. Alors qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Un tout fast challenge! Alors qu'est-ce que c'est? Alors je vais vous expliquer. En gros là, on a un tube de dentifrice. D'accord. On dévisse le bouchon. On prend une main pour garder le dentifrice ici. Et on appuie hyper méga fort sur un tube de dentifrice pour faire jaillir du dentifrice pour qu'il aille bien loin. En gros, le but c'est de faire jaillir le plus loin possible. Évidemment. Qu'est-ce qu'on a alors comme gage ou comme récompense? Ouais, il y a plein de trucs. Il y a des paillets. Premier paillet, c'est tu prends un JBI, donc là c'est horrible. Ouh là là. Enfin, pas un JBI, un extrême JBI. Du coup, tout est mauvais dedans. Voilà, donc ça c'est si vraiment tu n'y arrives pas du tout et que tu ne dépasses pas en fait la sortie du tube, c'est un peu l'idée. Oh là là. Hein. Ouais. Là, tu as des joyeux canards. Ensuite, troisième paillet, tu gagnes un sachet Ego. Voilà, au choix. Oui, de ton choix. Quatrième paillet, là t'as des Pringles. Tu prends la boîte de Pringles de ton choix. Tu deviens plus sérieux. Ouais. Ensuite, t'as. Et tu prends le truc que tu vois. Et le dernier paillet, c'est la Mystery Box. Comme son nom indique, on sait pas ce qu'il y a dedans. Mais quoi, c'est la surprise totale, hein. Ça va être bien ou pas, on va voir. Ah, si c'est forcément bien, je vous rassure. Je suis rassurée. Ça, c'est le méga cadeau pour le champion du cadeau final. Oh, mais génial, allez, on fait un champion pour savoir qui commence. Kifumi. Kifumi. Ok, c'est moi qui commence, let's go. Allez, premier round, Oméo. Bon, je vais tenter de viser les Pringles, allez. Ok, Pringles. Je sais pas si on peut vraiment viser avec ça. Je sais pas ce que ça va donner du tout en fait. Je sais pas, ça va être pas fort du tout, un peu fort, je sais pas. 3, 2, 1, go. Bon. J'ai un canard. Ok, un canard, moi je suis content. Alors, finalement t'avais visé les Pringles et bon bah... C'était pas très fort finalement. Il en manquait un tout petit peu quand même. Hein. Bon bah je vais prendre un canard rose, hein, voilà, un petit canard. Oh, trop quoi. Joli. Allez, c'est au tour de Swan maintenant. 3, 2, 1, go. Le tien nul quoi. Mais Swan, mais qu'est-ce que tu nous as fait là? Une espèce de crotte de dentifrice. Tu t'es appuyé mais c'était fini quoi, c'était trop tard. Ouais, du coup tu gagnes un canard. Oui. Non, je vais prendre le canard avec le casque Bape que j'aime bien. Deuxième round. Cette fois j'essaie de faire un peu plus fort quand même hein. Alors tu vises quoi cette fois? Toujours les Pringles hein, c'est mon objectif premier là, j'ai faim. Ok. 3, 2, 1, go. Oh, presque. Presque. C'était mieux, c'était mieux. J'ai un peu le seum là. En vrai, c'est pas mal visé. Ah ouais. Mais c'est pas les Pringles. Ouais. Mais j'ai un sachet de Lego. Ouais. C'est cool. Ah, c'est déjà pas mal. Alors, Swan. Allez, Swan. Allez, alors, Swan. Moi, j'ai essayé de viser les Pringles. Oula. Ok, bel objectif. Hein. Ambition, 3, 2, 1, hein. Allez. Bien joué, Swanou, super. Il a réussi. Ouais, alors, je crois que... Sacré tir, hein. Je pense que je vais prendre Texas Barbecue. Et voilà. Oh, c'est cool. Pringles Degustation is coming. Troisième round. Ok, c'est à mon tour. Qu'est-ce que tu vises? C'était à nouveau, hein, déjà. Je veux viser les Pringles, mais cette fois-là, j'ai donné un objectif encore plus haut. Les tables de chocolat, dont précisément les Hershey's. Ok. Non mais là, c'est pas vrai, mais quoi? Why me? Why me? Why me? Bon bah une petite dégustation de JB. Oh, oh non. Mais là, c'est l'humiliation, mais quand même. T'es trop le seum, j'ai même pas réussi à atteindre les canards. Mettez un pouce bleu pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche s'il vous plaît. Voilà, ayez pitié de Néo. Et là c'est goût croque de nez. Croque de nez. Du coup à mon avis tu devrais aimer, t'en manges souvent. Oh la balle réelle. Bon, t'es sûr que je dois manger, je suis obligé. Ouais, t'es obligé. Et encore, là, j'ai choisi moins pire. Hein. C'est bien parce que je suis sympa. Hein. Ah, ben, crotte de nez là. Pas de chance, crotte de nez. Oh, c'est un mauvais tour pour moi là. On continue le troisième round avec Swan. Alors, qu'est-ce que tu vises, Swan? Maintenant, je vais viser les tablettes de chocolat. Non. 3, non. 2, 1. Non. Allez. Non. Voilà. T'es un petit peu loin. Bon, ça va, c'est déjà bien un petit canard. Tu remportes un petit canard, alors lequel tu prends cette fois? Je vais prendre celui-là. Allez, petit canard jaune. Yeah. Mais bientôt, il va plus avoir assez de place dans la baignoire pour tous les mettre. Hein. Bon. Quatrième.
quatrième round. Ok, là, ça y est. Attention, ça coûte déjà là. Ça coûte pas. Non, visez pas. Je vais pas me prendre deux fois d'affilée de Gilles Belly. Non, voilà. Okay. Il y en a plus. Au revoir. Ah non, mais tu vas t'en mettre de partout. C'est bon. Allez, 3, 2, 1, go! Pringles! Let's go! Yes! Moi, je vais prendre des bonnes Pringles pizza. C'est tes préférés? Ah, presque. Presque! Alors, qu'est-ce que tu vises? Moi, je vise toujours les tablettes de chocolat. Ok, toujours. Fond, allez, attention. 3, 2, 1, go. Ah, wow! Hey, y'a rien qui double. Vas-y, refais. Oh. Oula, c'est mieux, c'est mieux. Alors pour moi, mon analyse personnellement, il n'est clairement pas au Pringles. Déjà, ça nous pouvons donc le constater, il n'a pas franchi la ligne. Par contre, il est... Il est au milieu quand même. Au milieu. Donc, il serait plus judicieux de choisir chez Lego plutôt que rien, parce qu'il n'a pas atteint les Pringles. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Fanny? Moi, je pense que si tu atterris au bord, et que tu n'es pas suffisamment proche pour récupérer le cadeau qui est devant toi, tu récupères le cadeau juste en arrière. Oui, donc c'est la même chose, non? Voilà, je pense que toi, finalement, tu dis que c'est la même chose que moi. C'est exactement la même chose. Après une heure d'analyse. Voilà. Ok, donc c'est bon, tu prends ce jeu de Lego? Oui. Moi, je vais prendre un petit Mario. Allez, Mario. Cinquième round? Ouais. Cinquième round. Alors, mon objectif, toujours les Hershey's qui sont là-bas. C'est parti. 3, 2, 1. Yatta! Oh, let's go! Yes! De justesse, hein? Yes! Donc, la Neo, c'est le plus long lancé de dentifrice depuis le début de ce challenge. Oh, génial! Bien joué! Yes! Et sa tablette de chocolat préférée. Bon, il t'a fallu quand même 5 rounds pour y arriver, mais c'est pas mal. Il reste encore 5 à faire, t'inquiète pas. Ah, à mon tour du coup. Ok. Allez. Nice shot. Quoi? Mais non, mais c'est pas vrai. Il a fait tout la table. Et j'ai eu chaud, hein. Mais quel chance, Swan. Oh là là, mais il est trop fort, c'est incroyable. J'ai eu chaud, c'est passé à 2 cm. Il a pulvérisé tous les records. Swanou, effectivement, tu es arrivé jusqu'au bout de la table. Donc là, félicitations. Tu as gagné la Mystery Box. La Red Box. Oui. Incroyable. Donc tu as gagné un cadeau surprise, t'es prêt? Yeah. Et voici le cadeau pour Swan. Et tiens, Swan. Et voilà. Non, je sais que c'est pas une blague. Alors, réellement. En plus. Tadam. Oh, trop bien. Oh, ah, génial. Là, il est refait, Swan. Trop bien. Je l'ai déjà eu un, mais un huc. Et ouais, donc là, t'as un Captain America. Génial. Il est stylé, hein. Swan, il adore ses figurines qui sont extensibles, hyper satisfaisantes. Ah oui, d'accord, Swan, direct. Oui. Oh, il est trop stylé. Ah, celui-là, vous le tirez dessus, là. Allez, vas-y. Ah oui, lui, c'est un peu un Fresh Air Strong, hein. Ça va te faire les muscles, Swan. Ouais. En vrai, c'est un peu un moyen de se faire les muscles, ouais. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, Swan, tu m'as atomisé pour ce round. Ouais. Là, il est temps que je rattrape tout ça. Allez, c'est reparti. Bon, Néo, tu vises toujours les chocolats Non, je dois pas sur le corps de Swan. Ok. Oh là là, ça va finir par me tomber sur les pantoufles. Allez, vas-y. Yeah. Mais quoi? Non. Mais qu'est-ce que ça fait? Mais Néo, mais t'es pas du tout sur le record là. Monsieur l'arbitre, attendez. Est-ce qu'on peut s'arranger là pour savoir? Vu que tu es sur la ligne, normalement. J'ai donc les canards. Non, c'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu gagnes les cadeaux qui sont derrière toi. Donc, Jamie. Non. Allez, nouvelle dégustation. Alors, on va prendre celui-là. Il a l'air très bon en plus. C'est quoi, c'est Pépitois ça? Ouais, je crois que c'est Pépitois ou Punaise sinon. Tu n'as donc pas de cœur, Swan? Ouais, c'est Pépitois celui-là. Pas pour le Jelly Belly, non. Ah, bon bah. Allez, régale-toi bien, Néo. Oh, c'est horrible. Oh, j'en peux plus. Non, mais c'est horrible pour nous aussi, on a la laine derrière nous, hein. Oh, c'est horrible, j'en peux plus là. Ah, ce round commence très bien pour Néo. Allez, Swan.
C'est au tour de Swan. 3, 2, 1, go. Oh, wow, oh, c'est wow, bien, c'est bien. C'est incroyable de dire trop fort là. Alors Swan, c'est super bien géré en vrai. Hein, parce que là, t'es arrivé pile là. Et là, du coup, t'as droit à un chocolat. Ouais, c'était sûr. La boîte de Ferrero Collection avec tous les parfums. La meilleure boîte. Mon trésor. Tellement ça. Mon précieux. Bon, allez. Septième round. À mon tour. C'est parti. 3, 2, 1. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? C'est impossible. Mais c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe là? Mais j'enchaîne les Jelly Belly là. Mais non, mais quoi? Alors là, Néo, c'est la catastrophe, il a perdu toute son habileté. Oh là là, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe? Allez, encore un Jelly Belly. Oh. Bon, cette fois-ci, je te laisse choisir. Oh merci, Swan, vraiment, tu as un si grand cœur. C'est le troisième d'affilée, quoi. Œuf pourri ou œuf pourri? Bah non, 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 attends, attends, c'est quoi? Ouais, parce que là, il n'y a pas deux choix, hein. Ouais, c'est non, seulement le goût pourri. Hein. Crotte de nez, c'est horrible, mais c'est le seul. Tu as déjà eu crotte de nez? Bon, écoute, je vais choisir pour toi, mais j'hésite. Bon, tu vas prendre un jet pour bébé ou la variée. Merci, Swan, tu m'as sauvé. C'est quoi, là? C'est la variée horrible. C'est bon, hein? Non, c'est pas bon du tout. Alors, Swan, concentration maximum. 3, 2, 1, go. Oh! Ah, c'est cool! Bien visé. Alors, lequel tu veux, Loulou? Moi, je vais prendre un Marvel Studio. Allez, allez, la nouvelle collection, là. Voilà, avec les Marvel. Hein. Huitième round. Non. D'accord, ok. Allez, Néo. T'as déjà tout eu normalement, non? Il manque juste la boîte rouge en fait. Allez, là, c'est la bonne. Allez! Alors? Mais c'est pas vrai, mais. Non, mais j'ai un problème là, c'est pas possible. Mais quoi? Mais quoi? Oh non, en plus ça donne gros pâté là-bas. Bon bah Néo c'était bien, mais c'est pas allé jusqu'à la Mystery Box, hein. Je vais à station de Lego. Alors lequel tu prends? Je prends de Disney, voilà. Je prends la magie. Sérieux? Voilà, la magie de Disney. Huitième round pour Swan. Attention, attention, attention. Wouah, mais quoi? T'y étais presque. T'y étais presque en faisant direction de la boîte, tu sais. Alors là, Swan, t'étais presque arrivé là. Oh, il presque, est chaud. Presque. Alors, bah, je vais chocolat. Prendre ça. Alors, celle avec de l'Oreo? Ouais, ça, Oreo. Une des préférées de Néo. Néo dégoûté. Bon, bravo Swan. Neuvième round, donc c'est l'avant-dernier, Néo. L'avant-dernier, sérieux. Il n'y a plus que deux choses pour avoir la Mystery Box. Ok. Et le bâton va ramper. 3, 2, 1. Oh, mais qu'est-ce que ça fait? Oh non. Mais pas possible. Mon tube de dentifrice. Je l'ai explosé. Oh là là, mais non, quoi. J'ai explosé. Non mais là t'as mis tout ton cœur, mais le problème trop c'est justement. Que voilà, c'est pas du tout parti au bon endroit, donc clairement il y en a partout, super. Et du coup en fait tu obtiens un canard. Oui voilà, c'est ça, un petit canard. Bravo Néo. Vraiment ça valait la peine, hein. Non mais il est joli parce que lui il a quand même Iron Man sur son casque. On va te donner un nouveau tube pour le 10ème round. Voilà. Pour avoir un autre canard. Alors Swan, s'il te plaît, ne nous fais pas la même chose que Néo parce que ça nous a pris un temps fou pour tout enlever dans le même sur les murs. Allez. Alors, attention, attention. C'est quoi ce tir nul là? Oh non, j'ai pas avancé dans l'épice. J'aime bien le attention. Attention, ça va être nul. À vous Swan, tu voulais encore un canard pour ta collection. Mais oui, c'était ça en fait. C'est juste ça. Mais sinon, j'ai pas un rose. Oh. Parce que celui-là, je ne l'ai pas dans ma collection. Et nous passons maintenant au dernier round. Dernier round. Dixième et dernier round. Je vous rappelle que pour l'instant, Néo a atteint tous les paliers sauf la Mystery Box. Oui, oui, oui. Et toi, Swan? Swan, tu as eu un canard. Bah, j'ai eu tous les paliers, moi. Enfin, ça, sauf le Jelly Belly. Ah oui, c'est le truc nul. Sauf le Jelly Belly, effectivement. Sérieux, bon, allez, dernier round, là, c'est le bon. Allez, suspense. Néo va-t-il parvenir à atteindre la Mystery Box? C'est parti. Allez, Néo, dernière chance. Allez, les deux. C'est la bonne, c'est la bonne. Enfin, tout doucement. 3, 2, 1.
non. Oh, bah, tu auras quand même une tablette de chocolat. Voilà, faut dire ça. Déjà pas mal. Oh, t'es dégoûtée là. Dommage. Et du coup, pour Néo, l'aventure s'arrête là. Sur les tablettes de chocolat. Sur la dernière tablette, peanut caramel. Je suis content, hein. Ça fait vraiment plaisir. Mais j'aurais tellement voulu avoir la boîte rouge. Dommage. Swan, dernière chance. Allez, vas-y. Attention. Et en plus, il n'y a plus de chocolat. Hein. Ok, 3, 2, 1, go. Oh, encore une fois. Du record. C'est pas vrai, mais le boss, quoi. Bravo, Swan. Donc, Swan a de nouveau réussi à parcourir toute la distance. Et il a de nouveau atteint la Mystery Box. Donc là, Swanou, bravo. Tu vas pouvoir avoir un nouveau cadeau. Yes. GG. Voilà le petit cadeau pour Swan. Trop stylé. Tu sais ? Tiens. Non. Oh, oh là là. Oh, génial. Oh, trop bien. Archi stylé. Donc c'est un pop qui est hyper rare, je pense. Hein. Oui, j'ai jamais vu Homer en mode gorille. Oh. C'est dans le... Ça mal pas ? Bah non, si, il est dans un des épisodes. Bah oui, bah faut ah bah faut qu'on revoie. faut qu'on revoie. Alors Swan, il est à fond sur les Simpsons, ah oui, pour info. Content ? Bah, il est rentré. Ouais, hyper bien. Et c'est la fin du challenge. Et je crois qu'il y en a un qui a eu plus de cadeaux que l'autre. Moi, vu que j'ai eu aucun GMI, j'en ai 10. Quoi ? 10 cadeaux pour Swan. Ouais, t'en as combien ? 1, 2, 3, 4, 5. T'en as 7. Ok. Ah, effectivement, chez Néo, il y a 7 cadeaux, il y a beaucoup de chocolat, il y a des petites figurines, Lego, il y a aussi des canards et bien sûr le Pringles Pizza. Et du côté de Petit Swan, on a des canards, oh des figurines Lego, du chocolat, deux gros cadeaux, un paquet de Pringles, un tube, pardon. Et encore du chocolat. Et encore du chocolat avec une boîte. Fou, en fait, vraiment. Hein. Swan, tu t'en sors très très bien. Ouais. Tellement. Bon bah Swan, pas complaining de chez Lego là. Hein. Bah ouais, on y va. Alors du côté de Petit Swan, effectivement un petit doublon avec Miss Angleterre que tu avais déjà je crois. Hein. Oui, Captain Angleterre. Ah pardon, ma Miss Angleterre, tout va bien. Donc, Captain Angleterre. Et puis ça c'est Super Mario. C'est un boboum. Et du côté de Néo. Voilà, une petite fille avec son cheval. Mmh. Et on a Jafar. Ah bah Jafar je reconnais, Jafar, ouais, c'est le seul personnage que je reconnais bien sûr. Alors est-ce que ce challenge vous a plu? C'est trop bien. On s'est éclaté. Trop bien. Ouais, hyper épique hein, franchement. Ouais, Et finalement c'est Swan qui a gagné. Ouais. Enfin, il n'y avait pas que de la force, hein. Il y avait aussi de la visée. Ouais. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Passez au. Bisous. Et surtout, bisous. Gros. Bisous. On vous. Salut. Bye bye. Plein de bisous.